Bonjour Patrice Pourtanel. Bonjour. Comment ça va? Aussi bien que possible, voilà, pour un septuagénaire, pas trop en mauvaise forme, pourvu que ça dure. Alors on est ici à Anglet, pas très loin de votre lieu de vie, oui. Mais votre lieu historique de hockey sur glace, c'est plutôt en région parisienne. Et on va en particulier parler de Viry, un club qui signifie forcément beaucoup pour vous. Combien d'années passées entre là-bas essayer de faire émerger et puis réussir le hockey? Si on parle d'histoire, l'histoire ça a commencé avec l'US Métro, dont mon père a été le président fondateur de la section de l'enseigne de la RATP sportive. Et disons après les Jeux Olympiques de 68, quand il y a eu cet engouement pour les patinoires et que le hockey méritait de se développer, une trentaine de patinoires s'étaient construites en 10 ans en France à cette époque. Il avait, par l'intermédiaire du maire de Viry-Châtillon, Henri Languet, dont on avait un ami commun, réalisé la patinoire de Viry-Châtillon, effectivement, qui avait ouvert ses portes en 1971, pour mon 25e anniversaire, et donc nous sommes restés là-bas pendant 25 ans. Alors l'US Métro comme joueur, que vous avez connu, vous avez joué d'ailleurs avec Patrick Sawyer, qui est un, tout à fait, qui Patrick, est un bon ami, voilà, qui était un très bon joueur aussi. J'ai fait les Jeux Olympiques en 68, alors que je jouais pour l'US Métro, avec Patrick Cosse-Savière, Serge Kaufmann, enfin quelques garçons avec qui on avait eu des belles années d'adolescence et de jeunesse, et Gilles Paget aussi, par exemple, qui est au Québec maintenant. Alors du coup, aujourd'hui, le hockey en région parisienne s'est éteint un peu, c'est compliqué le hockey en région parisienne. Est-ce qu'à l'époque, il y avait un vrai engouement et qui se confirmait au fil des années, et un intérêt pour les Parisiens pour le hockey? En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait deux centres de hockey en France, les Alpes et la région Île-de-France. Et l'après 68, effectivement, a vu la création d'un certain nombre de patinoires en Île-de-France. Et on était arrivé à 20, 25, je ne sais plus très, très précisément, mais plus d'une vingtaine, avec le nombre de clubs qui allaient avec. Et c'est vrai que ça faisait quand même une certaine émulation. Avec le fil des ans, il y en a peu qui ont perduré, il y en a qui ont disparu, le Vésinet, Paray Vieille Poste, etc., j'en passe. Ce qui fait qu'effectivement, on a perdu des écoles de hockey et des pratiquants, et que le certain élitisme qui se dégageait sur Paris avec le club des Français Volants, avec Viry, avec Courbevoie, etc., le Vésinet n'a pas perduré. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, les clubs que je veux dire qui appartiennent à l'élite viennent copieusement piquer dans les jeunes pour leur faire miroiter des pseudo-sport-études, je dis bien pseudo. C'est comme ça, c'est les temps modernes, on les accepte, on ne les accepte pas. Je ne sais pas parce que je ne suis plus les règlements sportifs de très 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 près, mais avant, le nombre pour changer de club, c'était quand même limité. On ne pouvait pas accueillir X transferts dans une équipe l'année suivante. Donc voilà, on était contraint à la formation, mais ce n'était pas une contrainte. Pour moi, c'était un plaisir que de former de jeunes hockeyeurs, de jeunes patineurs. Certes, ça prenait 10 ans, mais les résultats étaient là à la sortie, parce qu'effectivement, quand on jouait même en élite, on avait droit à deux non-français, deux étrangers, et que pour perdurer au plus haut niveau, eh bien, il fallait former ses joueurs. Et ça, c'était un pari superbe. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui s'en rappellent, comme Aram Kevorkian, Laurent Dens, les frères Le Rondeau, Jean-Dominique Dubuis, voilà, des équipes de Viry qui ont été 5 fois championnes de France. C'était vraiment une aventure extraordinaire. Alors les racines dans la famille du hockey, c'est le paternel? Forcément, on va appeler ça le grand-père. Si aujourd'hui le grand-père c'est moi, mais on va dire l'aïeul, c'était Claude Pourtanel, effectivement, qui de l'US Métro a formé le club de Viry. Moi, quand j'avais 5 ans, je regardais jouer au hockey comme ça. On ne jouait pas encore au hockey à 5 ans quand j'étais jeune, mais j'ai commencé à 8 ans, ce qui était assez tôt à l'époque. Et je ne me suis pas trop mal débrouillé. Bien que les entraînements n'étaient pas encore ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on pratiquait 3 fois par semaine, quand on avait un double surclassement, je jouais en cadet, en junior, en senior, dans le même week-end, on ne comptait pas les matchs, on ne comptait pas les heures, on prenait juste du plaisir et voilà, c'était fabuleux. Alors c'était un sacré tempérament aussi, est-ce que vous avez hérité de ce tempérament-là? Il avait un certain tempérament, pour ne pas dire un tempérament certain. C'était sa personnalité. Je n'ai pas tout à fait le même tempérament que lui. Je suis quand même un petit peu plus introverti, même largement. Mais c'est vrai que dans notre famille, on est assez, je ne veux pas dire sectaire, mais il y a les amis et les non-amis. Et en général, c'est 50-50. Hein. Mais les amis, c'est tout pour eux. Et voilà. Et puis les autres, c'est pas grave, on les ignore. Alors la configuration a viré pendant un moment. Vous étiez adjoint au sport de la ville.
et aussi dans le club de hockey, évidemment. Est-ce que c'était facile à gérer? Est-ce que ça a été compliqué à expliquer? Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait possible, vraiment? Non, je n'étais pas joueur de sport, j'étais directeur des sports. Directeur des sports. C'est-à-dire, je n'étais pas élu, j'étais fonctionnaire. Non, c'est facile à faire. Quand on fait bien son travail, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il faut faire la part des choses. Et ce que l'on donnait pour le hockey, il fallait aussi le donner pour le partager, pour l'athlétisme, le football, le rugby et tous les sports de Viry, qui fut une année la ville la plus sportive de France au concours du journal L'Équipe. Donc Viry avait une tradition de sport que le hockey faisait perdurer. Et si le football a eu ses lettres de noblesse, l'athlétisme aussi, avec à Cambrai, avec le sauteur-hauteur dont je ne me rappelle plus le nom, etc. Thierry Henry a joué à Viry-Châtillon au football à une époque. Je veux dire, le hockey a porté haut les couleurs de Viry en France et largement au-delà. Le cœur du projet, ça a toujours été vraiment de former, de se servir de ce réservoir incroyable potentiel de la région parisienne pour amener des joueurs à un bon niveau. Alors on n'est jamais allé draguer dans les terres des autres parce que nous travaillions suffisamment pour nous-mêmes. D'ailleurs, tous les stages que j'organisais tous les étés, c'était réservé aux joueurs de Viry et à la préparation de la saison. Il y avait des passe-droits pour des amis, parce que, bon, c'est quand même pas hermétiquement clos. Et bon, ceux qu'on connaissait, qui étaient des amis, etc., pouvaient participer, venir participer. J'ai des amis anglais avec qui j'avais un échange linguistique. Leur petit garçon est venu à 12 ans à Viry pour apprendre le français. C'était à l'époque où les stages se déroulaient. Il a mis les patins pour la première fois. Il a fini dans l'équipe nationale junior d'Angleterre. Donc on n'était pas fermé à la formation des autres. Et c'était un vrai plaisir. Mais par contre, c'est vrai que les bons joueurs de la région parisienne avaient tendance à venir chez nous parce que nous avions de bons entraîneurs, Paul Lang et moi-même au départ. Ensuite, il y a eu Alain Rioux qui a fait 10 ans chez nous et voilà, c'était aussi un remarquable éducateur. Donc je veux dire, oui, l'éducation sportive était au centre de toutes nos préoccupations. Alors c'est aussi une thématique qui a traversé le hockey français de tout temps, les infrastructures. Aujourd'hui à Paris, est-ce qu'il y a les infrastructures pour vraiment... refaire de Paris, en tout cas, un point central du hockey français? Moi, je crois que la pire des choses, de toute façon, ce sont les clubs associés, parce qu'on ne se donne pas la peine d'aller chercher 20 joueurs pour faire une équipe. Il y en a 10 chez le voisin, il y en a 5 là et puis 5 ailleurs. On va faire une équipe comme ça. Moi, je ne suis pas persuadé qu'on forme des joueurs et des équipes avec l'esprit club de cette façon-là. Mais est-ce que l'esprit club existe encore? Ça, c'est une autre question. Je crois que, malheureusement, il n'y a ni les heures de glace, ni... Pourtant, je veux dire, sur Paris, l'avantage que nous avions sur les équipes de province, je vois par exemple, mon fils Benoît entraîne à Toulouse, pour que même des moustiques ou des poussins aillent jouer, il faut qu'ils fassent au minimum 200 ou 300 kilomètres. Pour les parents, c'est une énorme contrainte. À Paris, nous avions la chance d'avoir des patinoires à proximité, etc. Bon, quelquefois, il y a des heures de trajet, compte tenu des embouteillages, ce n'était pas forcément une sinécure. Mais il y avait, je dirais, un noyau pour faire des championnats très intéressants avec des équipes de même niveau, de même standard, ce qui a permis effectivement que ce soit les Français volants, Courbevoie, Meudon, ou le Vésinet ou Viry, d'obtenir nombre de titres dans les finales nationales. Oui. Alors, quand on a un investissement très fort dans un club, dans son histoire, etc., il y a toujours le problème du passage de témoins. Quand on part, voilà, qu'est-ce qu'on laisse finalement quand on a beaucoup œuvré, quand on a beaucoup fait? Est-ce que ça vous a fait mal au cœur un peu Ça fait plus que mal au cœur, en particulier à mon père, parce qu'il n'y a pas eu de passage de témoin. Il y a eu un problème politique, que je ne comprends toujours pas d'ailleurs, qui a fait qu'un jour le maire socialo-communiste de Viry a dit « Les Pourtanel, je ne veux plus vous voir ». 2 ans après, il n'y avait plus de hockey de bon niveau à Viry-Châtillon. Je ne sais pas pourquoi, je l'ignore. Ça lui faisait peut-être de l'ombre pour sa doctrine politique. Il voyait mal comment des gens qui étaient, je l'étais, apolitique, je ne suis plus, compte tenu de ce qui s'est passé, les gens qui étaient apolitiques n'avaient rien à voir là-dedans. Pour moi, la défense, c'était d'abord le sport. D'ailleurs, j'ai fini ma carrière comme responsable des sports au Conseil régional d'Île-de-France. Donc j'ai perduré dans cette voie que j'aime. Pour moi, le sport, il devrait être apolitique. Malheureusement, que ce soit au moment des Jeux Olympiques ou au moment des championnats, quels qu'ils soient, les politiques s'emparent de cette chose-là. Je dirais simplement pour la façade, parce que quand on voit derrière comment les budgets de la jeunesse et des sports, les budgets communaux, parce que même les maires des communes se glorifient que telle équipe soit à tel niveau, c'est bon pour l'image de la ville. Mais bon, encore qu'à Anglette, je dirais qu'il y a quand même un outil de travail merveilleux qui est mis à disposition du club le plus largement possible. Et c'est quand même, ici en tout cas, une patinoire qui fonctionne très bien pour le sport. Et il faut saluer les efforts que fait la mairie d'Anglette. Bon, ceci étant, je le fais à titre comparaison avec d'autres, mais
c'est vrai qu'Anglet a aussi des difficultés dans les déplacements que l'équipe doit faire, très loin. C'est des minibus du club, comme ça se passe à Toulouse et comme ça se passe pour toutes les villes qui n'ont pas d'équipement à proximité. C'est ce qui crée la difficulté, effectivement. Alors quand on parle de politique, on parle de philosophie évidemment, et puis aussi de travail, de mise en place de projets, de pistes prioritaires en tout cas. Aujourd'hui, au niveau du travail de la Fédération française, de ce qui se fait par la FFHG, quel est votre avis sur le fonctionnement et les priorités qui sont celles actuellement de la Fédé? On peut penser à la professionnalisation de la Ligue Magnus, on peut penser à la mise en avant de l'équipe de France qui est en élite depuis un certain nombre de temps. Je pense que la maison est à l'envers. La fédération aujourd'hui ne se consacre qu'à l'élite. Comme je dirais, tous les politiques le font, et je pense qu'on a un président qui est politique plus que sportif, même s'il a été éduqué au Canada, et même s'il a porté le maillot de l'équipe nationale. Je pense que c'est tout pour l'élite, et on oublie une élite qui se base, qui n'a pas de base large et solide. Ça me rappelle la Roumanie ou l'Allemagne de l'Est des années 70. Et je pense qu'on est à peu près dans les mêmes conditions actuellement en France. Certes, on est une équipe nationale qui travaille bien, avec des garçons motivés, intéressants. Ils jouent pas en France, pour la plupart. S'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est parce que la plupart sont allés en midget ou en junior dans des pays étrangers, en Suède ou au Canada, etc. Donc ça veut dire que chez nous, il n'y a pas ce qu'il faut pour faire de la formation. Et c'est pas notre championnat junior tel qu'il fonctionne. Encore, on était jusqu'à 23 ans il n'y a pas longtemps, ou 22 ans, je ne sais pas quoi, c'est plus du junior, ça c'est... Voilà. Il n'y a pas la formation nécessaire, il n'y a pas les stages pour les jeunes comme il devrait y avoir, parce que notre fédération, compte tenu des résultats du championnat du monde, elle n'a plus un rond, c'est clair, donc elle est incapable de dépenser de l'argent pour faire de la vraie formation élitiste dans nos équipes de jeunes. Et donc je veux dire, non, les championnats, c'est quoi les championnats? Les gamins, ils font aujourd'hui, entre 12 et 16 matchs par an, l'objectif c'est 16 matchs, il faut qu'ils aillent à l'autre bout de la France. Je vois, par exemple, Toulouse va jouer à Rennes, Anglet va jouer à Strasbourg, dans des équipes de gamins, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, faire 1000 km à des garçons, c'est pas raisonnable. Le principal objet de la fédération devrait être motivé, avec l'aide du ministère, pour la création de pistes, des petites pistes dans des petits endroits, dans des petites villes de 30 000 ou 50 000 habitants, des pistes plus grandes comme c'est possible à Angers ou dans les grandes agglomérations, Bordeaux, etc. Il n'y a pas longtemps que la patinoire de Bordeaux est enfin dédiée au hockey sur glace. Mais tant qu'on n'aura pas ça, on n'y arrivera pas. Je veux dire, je ne vois pas comment. Et la fédération, aujourd'hui, ça passe à la préoccupation. Le ministère n'a pas un rond à donner pour la création de nouvelles arénas, donc les communes, les collectivités locales, eh ben, elles ont d'autres soucis sociaux, économiques à gérer avec le désengagement de l'État. C'est malheureux à dire, mais je me mets aussi à la place des dirigeants, c'est clair que c'est pas facile aujourd'hui, mais je ne suis pas persuadé que la méthode employée soit la meilleure actuellement. Alors je finis toujours mes entretiens en demandant ça justement à mes invités, quelle devrait être la piste prioritaire pour le développement du hockey français? Là je crois avoir à peu près compris... Quel serait le message? C'est se concentrer prioritairement sur les jeunes, sur la formation et pour faire et les infrastructures. Mais je vois pas comment on peut sortir une élite la plus large possible sans faire de formation avec une base très étendue. Au football, ils ont la chance d'avoir des terrains avec des participants qui viennent. Encore que, je veux dire, mettre 220 millions dans un transfert, on peut se demander s'il n'y a pas des choses plus intéressantes à faire avec cet argent-là, compte tenu des problèmes sociaux, etc., qui peut exister dans nos pays. C'est un autre débat. Pour moi, le sport à très haut niveau aujourd'hui, ce n'est pas du sport, c'est du spectacle. Pour moi, le sport, c'est l'éducation, c'est la participation d'un plus grand nombre. Je reviens du Canada, j'ai participé à des épreuves sportives réservées aux plus de 60 ans, plus de 70 ans, etc. C'est vraiment un pied. Alors, le hockey est roi là-bas, certes, mais il n'y avait pas que du hockey, il y avait aussi du football, d'autres disciplines, etc. On s'occupe vraiment de faire du sport dans toutes les tranches d'âge, avec de la formation pour les plus jeunes, avec des espaces sportifs ouverts, avec du haut niveau, certes, dans les âges qui le permettent, mais aussi un respect pour les anciens et leur donner la possibilité de toujours pouvoir pratiquer, quel que soit le sport. Là, finalement, on dépasse le cadre du hockey français. C'est carrément une philosophie un peu française, en fait, le fait de considérer le sport comme
à côté finalement de la société et pas à part entière comme un outil de formation. Mais c'est clair qu'on pond de belles lois. Pour moi, même si ce ne sont pas mes convictions politiques, un des meilleurs ministres des sports a été Marie-George Buffet. Je veux dire, elle a beaucoup fait pour le sport avec la participation, avec les répartitions des bénéfices du sport de professionnels vers les petites et les jeunes catégories. Mais je veux dire, tout ce qui est écrit dans la loi, un collège, un lycée, une salle de sport avec, n'est pas respecté. Et donc, je veux dire, à partir du moment où on a de belles pensées, certes, mais qu'on ne les met pas en application, je veux dire, ça s'appelle de la poudre aux yeux. Et en France, nous vivons avec de la poudre aux yeux. Certes, nous allons avoir des Jeux Olympiques en 2024. J'en suis ravi parce que j'ai participé dans les autres candidatures lorsque je travaillais pour le Conseil régional d'Île-de-France. Mais je veux dire, ça va être de la poudre aux yeux, encore une fois, parce que derrière, il n'y aura rien et on ne fera pas plus d'efforts et on n'investira pas davantage dans la pratique sportive. Et nos patinoires seront toujours ouvertes de 8h du matin à 11h le soir parce qu'après, on ne peut plus les ouvrir. Alors que vous allez dans tous les autres pays, les corporatifs s'entraînent jusqu'à minuit, 1h du matin, les pompiers, les gendarmes, etc. Je veux dire, nos établissements sont fermés avec des contraintes qui sont complètement stupides. Quand on est des établissements qui coûtent aussi cher, il faut les utiliser au maximum. Et je veux dire, nous sommes contraints, nous, par des obligations que nous créons et que, bon, je ne comprends pas. Merci beaucoup, en tout cas, Patrice Pourtanel. C'était un échange très intéressant et, comme toujours, avec vous, vif, honnête, franc, direct. Donc, merci d'avoir été mon invité sur ce plateau et puis tout le meilleur pour la suite pour vous. Et c'était un grand plaisir et surtout le succès dans votre entreprise. Voilà. Merci. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez ne rien louper, activez la cloche. À la prochaine.